Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dungeon Rushers. Donc je pense pas que je vais faire plus de 5 épisodes là-dessus, hein. On verra bien en tout cas le moment venu. On part en campagne, on va voir ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Pour souvenir, fin tous les étages, d'accord, oui on n'a pas fini tous les étages. On pourrait essayer de commencer le deuxième, cela dit. Je sais pas s'il y a un niveau de difficulté qui est différent, sans doute. À la manette, ce sera peut-être mieux Marcus, cela dit. Par contre, tu risques d'avoir, Marcus, un problème de manette, c'est-à-dire qu'il est possible que ça... Non? Non? Oh bah, en voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Oui, parce que des fois j'ai des problèmes, chers amis, avec mes jeux. Alors, vous voyez, déjà j'ai des problèmes de câble, j'ai des problèmes de jeu. Oui, j'ai des problèmes avec les jeux, c'est-à-dire qu'en fait, les jeux considèrent que le palonnier, tout ça, c'est une console d'Xbox. C'est une manette d'Xbox, pardon. Du coup, bah effectivement, ça me pose des problèmes, parce que c'est pas vraiment les mêmes touches. J'ai pillé le premier, n'est-ce pas? Bon, ça va nous remettre en jambes, comme on dit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai même pas vu la tronche que je me tape, c'est cool. C'est une horreur. C'est pas grave. Boum, allons-y. Boum, allons-y. Ah bon, ça tombe bien. C'est exactement ce que je ne cherchais pas. Vas-y, endors mes ennemis. Ah, ça les endort! Ah oui, d'accord, non, ça les a endormis. Pour certains. Ok. Blum, 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 blum. Est-ce que je peux pas en one-shot 1? Si. One-shot. Boum. Non. 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 Boum, bitch. Ah, je pensais que je pouvais le one-shot. Ah, quelle horreur. Boum! Ça fait quoi la barre bleue en dessous? D'accord. Ok. Bon, on aura minimisé les dégâts qu'on a pris, c'est cool. C'est déjà pas mal. Merci pour l'or des montagnes d'or! Non, j'ai pas dit. Ah bah, forcément! Oh, il est tout seul! Oh, qu'il est tout seul! Faut pas le one-shot, hein, on est d'accord. Poison! Bah non, te fais pas chier avec du poison, je sais bien que t'es un squelette, mais quand même. Crac. Big bada boom. Non? Bon, tant pis, c'est pas grave. Eh, mais c'est que vous me pétez les couilles. Bonjour! Non, vous savez pas dire bonjour. De toute façon, ça sert à rien de vouloir l'attaquer, lui. Ça voudra pas l'empoisonner. Voilà, bah non. Je sais pas pourquoi je me fais chier à l'empoisonner si c'est pour. Boom bitch. Crac. C'est bon. Il nous faudrait vraiment un soigneur. Hein. Il nous faudrait vraiment un soigneur. Vas-y, bah oui, continue à me faire péter des monstres de n'importe où en quantité monstrueuse. Blague moisie, je suis désolé. Hein. Ah bah je peux pas le voir, comme ça c'est clair. Allez, boum, flèche. One shot, si j'avais su, j'aurais fait ça plus souvent. Et ça c'est fait. Donc l'XP, elle monte. Parfait. Oh. Inspecter. Butin. Ouh, cool. J'imagine. Donc j'ai bien compris, chers amis, que... d'accord. Il y avait un mur, en fait. Et là, il n'y a rien du tout. Pourquoi pas. Un piège. Vas-y, Thorgrim, suicide-toi. C'est bien, Thorgrim. Tu es un vrai nain. Allez savoir pourquoi les nains sont suicidaires. Sans doute à cause de moi. Bref. Ah, puis oui, bah bien sûr. J'avais oublié ce détail. Bah oui. Boum. Normalement, si je fais ça, celui-là peut le one... Ah, putain, je pensais qu'il le one-shotait. Ah. Ah, ça me fait chier. Ah. Ah, j'ai pas géré mon coup. J'ai pas su gérer mon coup. En plus, il est hyper solide, le lancier, j'avais oublié. Je l'ai pris pour un normal. Merde. Et on a pas de potion, forcément. Non, par contre, on a mon meilleur ami qui m'envoie un texto. Pas maintenant.
Piège. Fait chier. On va le désarmer totalement. Ça vaut mieux. Ok. Inspecter. Surprise, forcément. Le goût du Rix. Oh, c'est quoi ça? Poison! Eh non, mais moi, c'est ce que je voudrais faire! Trop de cul. Boum! Boum, bitch! C'est balèze, ce truc! Moi aussi, j'aimerais pouvoir me soigner. Mais je peux pas. Alors là, si tu me refais le coup du... Bien sûr. Bah, manquait plus que ça. Bah oui! Heureusement que je peux sortir, hein. Piller et sortir. Vous avez déjà... Trésor déjà trouvé. Pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Bra! Non, bien sûr, le bra que je fais, c'est pas le bla, hein. C'est juste, voilà. Bref. Échoppe. Échoppe, échoppe, échoppe. D'accord. Oh, c'est une armure, ça. Ça me semble intéressant. Ah oui, putain, c'est vrai. Ah bah non, j'ai pas le droit. Merci. J'ai acheté un truc que je voulais surtout pas acheter. D'accord, parce qu'il faut que j'appuie sur le... Plus de d'armure, moins 1 en fer. Moins 1 en vitesse, d'accord. Os magique, utile pour l'artisanat. Bon, on va revenir sur l'artisanat tout de suite. Atelier. Peinture, aujourd'hui. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Voilà, qu'est-ce que je peux pas faire? Ça c'est quoi? Amulette. Allumette, allumette, allumette. Ok, et ça c'est un croc de loup. Vas-y, fais-moi un croc de loup, monsieur l'enchanteur. Un gris-gris, deux gris-gris. Je fais absolument tout pour grimper le niveau, hein, chers amis, hein, du mec. Hein. Mais je suis pas sûr que ce soit méga efficace, finalement. Bah écoutez, on va retourner dans le même niveau. On va essayer de faire l'étage 2, hein, quand même. Parce que c'est ce que j'avais prévu, à la base. Crac, piller. On va bien voir, hein. Bonjour, l'étage 2. Ah bah bien. Ça, c'est un truc qui commence bien. Non, celui-là, je le sabote, hein. Je veux pas mettre même Thorgrim, je veux pas qu'il aille dedans. Ok. Ah bah bien sûr. Et puis, je vais me prendre forcément deux coups dans le nez. Donc, vas-y, 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 endors-les. Comme ça, hop, ils attaquent pas. Allons-y. Thorgrim, il va falloir vraiment que tu montes tes dégâts. Ça va être une nécessité. Ah bah oui, ça allait forcément être là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est assez simplement scripté, si je puis dire. Oui, comme ça, de toute façon, comme je l'ai dit, je vais pas faire plus de 5 épisodes dessus, je pense. Ah, je pensais que ça le buterait. Bon, au moins je vais louper, je vais prendre moins de dégâts sur le tour suivant. Ok, on n'est pas trop mal, normalement. J'aimerais bien que notre ménestrel... Dans des piles de squelettes comme ça, souvent je me fais baiser. Non, ça va, du butin, cool. Avec de la bouffe. Là, il y a une attaque. Alors là, il y a une attaque, voilà. Vous voyez, c'est assez simple finalement de... Oh, bah écoute... Je peux toujours pas te one-shot malheureusement, mais... Quoique, peut-être un coup critique? Non, même pas, dommage. J'aurais bien aimé, cela dit. Au moins, je suis pas en flamme. C'est déjà ça. C'est déjà ça. On va pas se plaindre. De toute façon, un de ces quatre, je m'habillerai plus. Comme ça, mes fringues ne s'enflammeront plus. Faiblesse. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Autant être faible. C'est pas comme s'il restait en plus qu'un chemin. Qui était forcément ou presque. Enfin. Archer! Ah, ça le tue pas. J'aurais aimé juste apprécier que cela le tue. Non, ça marche pas. J'aurais bien aimé que ça marche. Juste apprécier que cela le tue. Le tue, pardon. Là-bas, il n'y en a pas. Oh, même pas. Vous êtes malade, les mecs. Là, il n'y en a pas. Par contre, à gauche, il y en a.
voyez, c'est simple. C'est finalement assez simple. On va se prendre deux attaques dans le nez déjà dès le départ. Et bim, dans ta gueule, Marcus. Ouh, heureusement que tu bloques. Ouh, t'as pas bloqué le deuxième. Ça, c'est vraiment dommage. Hop. Je préfère péter la gueule du mage. Alors je sais que j'aurais fait un truc de protection, chers amis, mais le problème c'est que je veux pas perdre un tour. Mais je crois que ça perd pas un tour en plus. Je sais plus. Oh, le trésor. Non. Et là c'est quoi? Oh, inspection. Oh bah ça va, une malédiction à ce moment-là, c'est pas ce qu'il y a de pire. Ok, niveau 2, réussi. Non? Oui? Oui, parfait. Merci. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Ok, qu'est-ce que... Oh, il y a un arc. Arc en frêne. Je crois que c'est ce que j'ai, non, actuellement. Manage Heroes. Ah, putain. Tu veux bien... Alors, vous demandez à ce que... Vous demandez à ce que le jeu soit... Ouais, c'est ce que j'avais. Ok, c'est pas grave. Non, non. C'est un... ah, je pensais que c'était un bijou, moi, que je pouvais équiper. Dommage. Donc, ce ne sera pas un bijou que je puisse équiper. Enfin, que je... Oui, c'est ça. Point restant 0, point restant 0, point restant 0. C'est cool, merci le jeu. Est-ce qu'on se tente le niveau 3? Oui! Oui! Fais péter le niveau 3! Sinon, je me dis qu'en 5 épisodes, on va peut-être aller suffisamment loin aussi. Hein. Y a un lancier et un guerrier, donc ça va. Faut juste qu'il soit sur la même ligne, ce qui est parfait. Je vais buter les deux, vous allez comprendre, regardez. Boum, les deux sont morts. Je fais un truc de défense. Comme ça, on résistera mieux à ses coups. Et bien mieux d'ailleurs, hein. Je m'attendais pas à une telle efficacité. J'aurais bien aimé l'empoisonner, je l'admets. Et il est fini. Parfait, on est bon. On est très très bon. Et l'avantage, c'est que je crois que le buff, en plus, reste sur plusieurs combats. Un piège. Il y a du saignement, donc je préfère l'éviter pour le moment. Oh, mais non! C'était de l'eau empoisonnée! Il y a une potion dedans, d'accord, pourquoi pas. Et là, il y a un combat. Même pas un piège. Siphon de mana. Mana, moins 3. Alors, dégâts, moins 3... Ah oui, c'est moins 3 de mana. Moins 3 magique ou moins 3 de mana? Pas de mana, pas de chocolat. Je vais envoyer notre nain se prendre tout ça dans le nez. Vu qu'il n'a pas énormément besoin de sa mana, normalement, ça devrait passer. Ici, nous avons un combat. Bah tiens, étonnant. Oh, puis ils sont nombreux. Endors-moi tout ça. Fais en sorte qu'ils dorment. S'il te plaît. Un petit combat de flèche, ça t'intéresse? Voilà. Crac. Boom, bitches! Ah, ça les a tous réveillés! Merde! Ouais, tu m'étonnes, je m'en disais bien aussi qu'ils allaient pas rester endormis alors qu'on est en train de les taper, quoi. En un sens, ça me semble logique. Par contre, il serait vraiment temps que ce paladin ait des dégâts et des soins, quoi. Enfin! Là, je sais qu'il y aura rien à gauche. Là, je sais qu'en haut, il y aura quelque chose, donc là, il y aura rien. À droite, il y aura quelque chose. Voilà, je l'avais dit, hein. Je l'avais prédit. Bah, j'ai utilisé mon sort de sommeil juste avant. Comment ça se fait qu'il a... Oh, il a level up, lui. Oh, lui, il a level up. Je pense que oui. Oui, il a level up. Ok, cool. C'est la fête. Et on fait la brouette. Putain, j'ai pas réussi à le tuer. J'aurais bien aimé le tuer avec un coup critique. Mais t'acharnes pas sur lui, t'as rien fait! Allez, petit coup d'armure.
Tu ne me feras pas de mal. Oh! Oh, il m'a fait mal! Alors du coup, j'aimerais savoir, est-ce que c'est pour le soigner lui ou est-ce que c'est pour me soigner moi? Je pense qu'il vaut mieux que je le batte avant. Voilà. Et ensuite, je vais dans le menu pour me soigner. Manage. Ça, c'est pour l'endurance. Vas-y, bouffe de la santé, voilà. Ça, c'est quoi, ça? Furie. D'accord. Non, merci. Du coup, ici, c'est un combat. D'accord. Okay. Avec un passage. Je pensais pas qu'il allait y en avoir, forcément. On va les endormir, ceux-là, parce qu'ils sont nombreux. Et on va s'attaquer uniquement à celui-là. Qui apparemment n'aime pas les coups magiques, hein, clairement. Oh bah eh, non, t'étais pas censé te réveiller maintenant. C'est un peu pute. C'est un peu pute. C'est un peu pute. Voilà, merci de bien vouloir décéder. J'ai pas apprécié ton petit coup. Oh merde. Alors c'était exactement ce que je ne voulais pas. Ah bah ça va, je m'attendais à du poison. Ah bah, ah bah oui, forcément de la régène de vie à ce moment-là. Tu me diras, allez, quand je me plains pas non plus, je me plains pas quand j'ai le malus à ce moment-là aussi. Hop, merde, j'ai pas vu combien j'ai gagné. Bon, c'est pas grave. Alors, crac, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a une hache, il y a un anneau. Un anneau pour les gouverner tous. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais essayer, on va essayer le pari. Pari, c'est fou. Potion de l'oubli, ça m'intéresse pas. Arc en frêne, ça m'intéresse pas. Lanière de cuir, ça m'intéresse pas non plus. J'ai perdu mon pognon. Pour rien. Attendez, il y en a un qui a gagné un level là. Je ne vais pas t'oublier, l'ami. Clairement, je ne vais pas t'oublier. Brûle 2 de mana de l'acide en mettant dans le mélope strident. D'accord, utilise une bonus de mana de magie quand une arme à deux mains est équipée. D'accord, ça peut être intéressant. Bonus de magie, bonus de mana, d'accord, dégâts magiques, ça m'intéresse. Bonus de magie, ça m'intéresse clairement, il fera encore plus de dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Ok, en termes d'atelier, est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose? Ah, on peut fabriquer des choses, effectivement. Épée en fer, hache en fer. C'est quoi ça? Poignard vampirique. D'accord. Ok. Ah non, d'accord, ça j'avais pas prévu que ce soit comme ça, d'accord. Tout comme j'avais pas prévu que ce soit ça que tu fabriques. C'est pas grave, c'est la fête du slip. On s'en fout, on n'ira pas. On a qu'à se cacher sous les draps. Bah du coup, je peux vendre ça. Oui, je peux vendre tout ça. Ça c'est quoi ça? Vous oublierez tout, presque tout. D'accord, ok. Ça a le mérite d'être clair. Bon bah, on est bon hein, je me suis fait de l'argent, est-ce qu'on tente un petit dernier pari? Allez, soyons fous. Une bière, ah bah d'accord, une bière à 120, à 120 pièces d'or quoi, c'est la fête. C'est la bière qui fait mal. Allez, le petit étage 4, on va peut-être tous se les faire, peut-être pas tous se les faire dans le même épisode cela dit. Ah, on est à 20 minutes, peut-être que si finalement. Allons-y, ah bah ça commence bien. Vas-y, va prendre une douche. Une douche de mana. Crac, ça fait mal? Oui, un petit peu, hein. Et forcément, et je suis sûr que de côté c'est pareil. Vas-y, endors-moi tout ça. Il va être temps qu'on leur rende leur monnaie de leur, la monnaie de leur pièce, pardon. Il y en a un qui est pas endormi, là. Il y en a un qui est pas endormi ici, là. Boom, bitch!
Ah, c'est con de te réveiller à ce moment-là, toi, par contre, hein, je veux pas dire, mais... Crac. Voilà. Problème résolu. Ok. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Donc là, ici, il y a rien non plus. Mais en bas, par contre, il y a un monstre. Deux arbalétriers, je les endors aussi. Je veux pas me prendre de dégâts dès le départ. Les deux sont réveillés, du coup. Crac. Toi aussi, tu bouffes. Alors, soit je... Bah, j'aimerais bien avoir réussi à placer mon sort de protection. Je le sens mal. Malédiction. Tiens. Braise armure. Tiens donc, faut vraiment que j'arrive à caler mon armure. Forcément. Soit je fais confiance en mon pote. Allez, on frappe. Normalement, c'est bon. Allez, soyons fous. Ta-da-dan-tan-tan-tan. Donc, ça a bien marché. Ok. Cool. Ouais, je sais ce que je vais faire. Regardez. Hop. J'ai buté les deux. Et j'ai buté le dernier. Si ça c'est pas bon, je sais pas ce qu'il vous faut, chers amis. Ok, on s'en sort pas trop. Déjà la sortie? D'accord. Enfin, en même temps, vu la conception du donjon, effectivement, ça ne m'étonne pas. Et je ne peux pas utiliser mon sort de sommeil, malheureusement. Je saurai me venger. Et de 1. J'ai envie d'être joueur. Oui, je savais que tu le finirais. Donc lui aussi, il one-shot les arbalétriers, ce qui est assez cool. Là, il y a quoi? Et là, il y a un boss. Enfin, oui, un monstre, quoi. Je m'en doutais un petit peu. Ce n'est pas grave. Aïe. Je l'ai bloqué, tiens, dans ta gueule. boum. T'as déjà senti un gros coup de marteau, ce que ça faisait ou pas? Allez, soyons fous. Jouons le jeu jusqu'au bout. Il nous faut de l'armure. On sait où est le... Oula, j'ai eu peur. Ah putain, ils sont nombreux. Oh, alors ça... Ça me fait plus ou moins chier. Je vais tenter le poison. Ça passe, c'est rare. Boum. Et c'est bon, on l'a eu. Pouf, j'ai eu peur. Je me suis inquiété pour rien, finalement. Comme souvent. C'est quoi? Oh, une bénédiction, ça faisait longtemps. Merci. Merci, merci, madame. Là, y a rien. Et là, par contre, y a un truc. Oh. Bénédiction? Regain de mana, mais ça ne va pas de me donner tout ça à la fin du donjon. C'est là que je me dis que j'ai vraiment mal choisi mon entrée, si je puis dire. Ok, merci. Ça me va droit aux couilles. Mais me dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à vendre, mémé? Oh, des bottes, mémé. T'as des bottes à vendre, mémé. Mémé, pourquoi t'as des bottes à vendre? Bottes du cavalier. Bah, je vais te les prendre, hein, tu sais quoi. Merci. Merci, mémé. T'es bien aimable, mémé. Où sont mes bobottes? Là. On est à 18. Regardez. Là, on est à 12. Et là, on est à 9 seulement. Ce qui veut dire que c'est véritablement lui le moins rapide du groupe. Il faudrait peut-être que j'améliore ça. Et je sais pas du tout comment. Donc à l'heure actuelle, je ne peux pas, ça sert à rien d'améliorer, il est trop au-dessus. Par contre, ce que je peux peut-être faire... C'est quand même lui donner ça, on verra bien. Si j'arrive à le faire rattraper un petit peu le truc. Ok. On en est où? 25 minutes tour, chers amis. Écoutez, nous allons nous laisser là et on fera le dernier niveau de la tour dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Et encore une fois, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!